Et moi, ça me fait penser à un autre truc qui n'est pas directement lié, mais je pense qu'on a fini avec les twists et on a suffisamment montré en quoi. Enfin, la fin est encore plus énervante que tout le reste du film, que des passages comme le fait de répéter un bout de film que t'as montré une minute avant et de le répéter. Mais. Et puis, enfin, y a rien, vraiment. Le milieu du film, c'est vide. L'image là, elle est dégueulasse, l'image où ils sont tous les trois dans la pièce là. Tu sais, attachés. Enfin, le gros suisse attaché, l'autre. Et l'autre, il a trois personnalités. C'est la bête et tout, il y a juste les flashs. Mais pourquoi vous l'avez pas au moins attaché comme. Bruce Willis? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est capable d'arrêter Bruce Willis, c'est capable d'arrêter la bête. Votre truc en. Votre ouais, chaise en. Machin avec des chaînes et tout. Donc. Pourquoi lui, il n'y a pas droit, il a juste droit au flash, pas tout, il y a plein de trucs qui font pas sens. Bah parce que chacun a son truc. Oui, mais non, mais enfin, oui, tu utilises oui, quelque chose différent. Mais, c'est le problème de Split, c'est que Bruce Willis, son personnage, c'est en fait, ils ont Split et Incassable, ils ont le même pouvoir de base. La seule différence, c'est leur pouvoir psy, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que leur pouvoir physique, c'est le même. Mmh. Déjà, ça me dérange de ouf, tu vois. En gros, les super-héros, ils ont tous les mêmes pouvoirs. Hein? Ils grimpent pas au mur. Ouais. Effectivement, ils ne grimpent pas au mur et ils ne font pas des reverse flips depuis le toit de l'exorciste. Voilà. Ouais, on est d'accord. Mais. Bon, c'est ridicule. Les scènes d'action. Sont pitoyables, c'est-à-dire que le fait de vouloir l'ancrer dans la réalité, ça marchait dans Incassable. Ouais. Ça marche déjà moyennement dans Split, enfin il n'y en a pas, enfin c'est. Il y a vite fait des effets où, comme je disais, il casse les barreaux et tout, mais c'est tout. Et alors. Mais alors dans Glass, les scènes, la scène de fin, mais pas que la scène de fin. Hein, je pensais que c'est qu'on allait vraiment voir une scène de tape. Les mecs font que se pousser, se propulser, s'envoyer des trucs. Mais comme au début, comme la scène du début où ils s'envoient une table, tu sais, ils se la renvoient là, ils font du ping-pong avec une table. Alors là, dans la scène de début, ça marche, je trouve, parce que c'est la scène de début. Mmh. C'est le premier affrontement, on n'est pas censé voir. Tu vois, ça. Mais la scène de. En fait, c'est le problème, c'est voilà. Parce que je sens déjà des critiques, je vais pas citer de nom, mais il y en a un français que je connais sur YouTube qui va clairement nous sortir que c'est volontaire parce que c'est fait pour diminuer le côté super-héros, parce que c'est censé s'ancrer dans la réalité, etc. Mais le problème, il reste que ta scène d'action du début, elle fait plus super-héros que ta scène d'action de la fin. Ça marche pas comme ça dans un film, bah tu non, mets ta scène... se balance et puis le camion se plie. Ouais, mais quelle c'est force incroyable. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, et puis il retourne une voiture. Voilà. Comme des gars retourneraient une voiture, c'est-à-dire du côté facile, du côté de côté, pas du côté de la pointe où c'est compliqué. Non, il retourne. C'est trop. Enfin, c'est pas que c'est trop peu en soi par rapport au propos. C'est le principal problème de Shyamalan dans tous ses films. Si on reprend mes échelles de technicité, propos et la technique au service du propos, c'est que technicité, il a peu de moyens, mais avant il savait faire des films avec. Maintenant, t'as l'impression que. Enfin, j'ai juste la scène où ils sont les trois dans la salle. J'ai l'impression qu'il a juste plus de moyens. Et qui se casse moins sa tête. Il a même pas plus de. En fait, il a eu un peu plus de moyens que pour Incassable, mais sauf que. Enfin, que pour Split, pardon. Mais sauf que, en gros, c'est tout parti, en gros, dans le salaire de Bruce Willis et Samuel Jackson. Donc, on va dire qu'il a eu plus ou moins le même budget que pour Split. Et ça se voit, mais pourtant, c'est le. L'équivalent par rapport à quand il y a 10 ans, le budget d'un. Ou peut-être un peu moins du coup que le budget d'Incassable, tu vois. Mais on sait qu'il a moyen de faire avec peu de budget, on a vu Incassable. Là, les plans sont dégueulasses la plupart. Enfin, vraiment. Certains très faciles. Ouais. On les voit venir. On va venir, c'est ça. Et le coup de. Quand il. N'utilise pas des images de ton bon film. Où tu fais un panne, c'est-à-dire qu'on a une image qui est tournée pour Glass parce qu'ils n'avaient pas prévu dans Incassable de montrer ce personnage, donc ils ont même pas de rush, tu sais, qu'ils avaient tourné sans l'utiliser pour Incassable, mais qu'ils auraient pu tourner pour Glass en prévision. Ouais. Ça aurait montré que tu vois que tu pensais c'est ton ça. Film. Là non, il est obligé de retourner une bout de son plan et de le faire panner et de faire un cut qu'on voit pas pendant qu'il fait le panoramique sur un siège. Et ensuite de nous mettre l'ancien Incassable, la scène non modifiée, retouchée peut-être pour l'image, je sais pas, mais en tout cas non éditée, tu vois, d'Incassable. Et enfin, si, il édite parce qu'en fait, il monte le premier panoramique, ensuite il y a toute une discussion qui zappe, et ensuite il remonte le deuxième panoramique qui repart dans l'autre sens, qui est en fait plus tard dans le film, mais bon, c'est pas grave.
Mais en gros, il nous montre un Bruce Willis qui s'est pas joué dans une scène avant, parce que c'est pas le personnage qu'on voit à la gauche, hein, mais bref. Et il nous montre une réelle plate, et ensuite il nous montre juste en un panoramique, il nous montre une meilleure réelle, enfin, je sais pas comment le dire, c'est fin, c'est subtil, mais que tout le reste de ce qu'il a fait dans le film était là, mais non. Ouais, ça marche pas. Où est passé ton talent? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin. Et puis alors, la fin de la fin, qu'on n'a toujours pas parce abordé. On en a oublié un, le twist. C'est donc que du coup, les gamins, enfin, les deux gamins et la vieille, la mère de Elijah, ils récupèrent le fichier filmé par Elijah et ils le foutent sur YouTube. Alors moi, je parlais pas de ce twist-là, moi. Tu parles duquel? Mais moi, je parle du fait que... Pourquoi Elijah se prend un énorme coup de la bête? Ah mais oui, mais que j'ai pas expliqué dans la scène justement avec le panoramique dans le train. Exactement. Alors en fait, ce panoramique qu'on a, qu'il est obligé de refilmer un bout de scène, c'est parce qu'il nous montre un personnage qui en fait est... Le père de Kevin. Et donc le père de Kevin a été tué involontairement par Elijah dans le train et c'est ça qui a créé Kevin, mais ça c'est pas dit exactement dans Split. C'est parce que... Non mais c'est pas dit exactement dans Split, on l'apprend que dans Glass, c'est pour ça que vous précise. On l'apprend dans Glass. C'est que et c'est même ça c'était pas dans Split, quoi. C'est-à-dire que dans Split il y avait le fait que sa daronne c'était une psychopathe qui lui tapait dessus, mais jamais il était dit que le daron il était en train d'essayer de faire quelque chose pour changer la situation. Et là on apprend qu'il prenait le train et qu'en fait il était mort. Non mais oui, mais qui prenait le train pour essayer de changer la situation. Il part en train pour je sais plus quoi, pour... Pour venir le chercher, je crois, c'était pas ça, je sais. Ouais, pour le récupérer ou je sais pas quoi. Et donc en fait, Elijah tue le père de Kevin qui était censé justement l'empêcher de développer son problème psy parce qu'il aurait pu le sauver de sa mère, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Et donc Elijah est fier d'avoir créé le problème psy et donc le pouvoir de Split. C'est ça. Et donc du coup, il se retourne contre Elijah. Parce que, oh, tu as tué mon père. Et il lui met un coup de poing dans le bide. Voilà. Et il sait que ça va suffire à le tuer parce que c'est le Beast. Nouveau twist incroyable. Non mais oui, donc comptons les twists dans l'ordre. La psy. Non, d'abord la révélation que tu viens de dire. D'abord c'est. Papa a été tué par Elijah. A été tué dans Elijah. Le train dans l'accident pour découvrir Akasam. Voilà. Et donc, du coup, a créé Split. Donc, ça fait deux twists en un. Déjà. Voilà. Ensuite, c'est la flotte. Ouais, c'est ça. C'est Bruce Willis avec la psy. Donc, deux twists en un, pareil. Le j'essayais de vous soigner et je fais partie d'une. Enfin, de vous faire croire que vous étiez pas super-héros et je fais partie des Templiers. Parce que c'est deux twists en un, parce qu'à la base, il les butait et il y a toute cette histoire de elle veut pas les. Enfin, qui vient se rajouter, mais juste pour justifier le film, encore une fois, tu vois ce que je veux dire, moi. Et le dernier twist. C'est la révélation. Et c'est qu'il y a encore un double twist. C'était pas prévu qu'il aille sur la tour. Mais qu'il avait tout prévu dès le départ pour enregistrer tout et envoyer tout sur YouTube. Et qu'il y a un double twist parce que du coup, il l'envoie aux deux enfants et à la daronne pour que ça soit. Et ça aussi, il avait prévu. Il avait prévu que le gamin, après avoir vu son père mourir et de savoir que tout est de la faute d'Elijah, accepte quand même de balancer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il avait prévu que la gamine, elle partirait en vrille suite à Split, etc. Et donc qu'elle soutiendrait. Mastermind. Et il avait. Non mais. Ouais. Le problème, c'est le comme problème ça qu'il excuse, pas vrai qu'il excuse, mais c'est parce que c'est un mastermind. Donc vous posez pas de questions. Voilà, mais c'est le problème. Leçon de cinéma. Quand vous voulez faire un truc en plusieurs épisodes, il faut penser à tous les épisodes avant de commencer à faire le premier. D'accord. Mais je pense qu'il avait pas du tout prévu de se faire une trilogie. Mais non, puisque déjà Split, il y a pensé en écrivant la fin d'Incassable, tu vois. Et peut-être même en retouche pendant qu'il filmait, tu vois ce que je veux dire. Je sais même pas si c'était à l'écriture même ou si c'était pendant les retouches au moment de... Donc déjà Split en lui-même, ça lui est venu à la fin d'Incassable. Donc déjà, pour faire coïncider les deux dans le même univers, c'est complexe.
Et lui-même, il a abandonné puisqu'il l'a pas mis dans un cassam, tu vois ce que je veux dire ? Il a préféré en faire un deuxième film. Et derrière, il cherche à justifier tout ça dans un film qui, en fait, c'est même pas du fan service. C'est du service tout court. C'est, je suis obligé de vous faire une fin, donc je vous fais une fin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça, que j'ai ressenti. Ouais. Que et ça aurait pu passer les tout ce qu'on a dit, tout ça. Ah, c'est comme ça. Ah non, mais. Si le milieu était pas aussi chiant, c'est ça, déjà, si les acteurs en avaient pas aussi rien à foutre, surtout Bruce Willis, parce que James McAvoy est bon, Samuel L. Jackson a l'air de vite fait s'amuser sans plus. Il reste dans son personnage quand même. Un peu, ça va. Il reste encore en son. Moi, quand il est amorphe, je trouve qu'on a l'impression que c'est Samuel L. Jackson mal coiffé qui est amorphe. Mais à partir du moment où il revient dans le personnage d'Elijah, enfin, qui en tout cas reprend toutes ses compétences mentales, ou en tout cas arrête de jouer la comédie, là il est bon. Mais alors. Je te propose que chacun ensemble là, pendant 2 secondes, on fasse une imitation de la tête que fait Bruce Willis pendant tout le film. Je pense que c'est bon. Ouais. C'est violent. Merci, à la semaine prochaine. Merci d'être venu, merci d'avoir participé au tournage. Non mais le gars a dû palper je sais pas de combien de millions pour le film et a dû être là 5 jours je pense, maximum. Ouais, genre sur le tournage. C'est vrai qu'il est. Il aurait pu rester dans le. Dans le personnage d'Incassable. Mais qui est tout en retenue dans Incassable. Mais il y a des mimiques. C'est-à-dire que la retenue, justement, faut qu'il y ait. Tu vois, si tu n'exprimes pas par ta voix, ou comme moi là par exemple, je vais être en train de pousser ma voix ou quoi, ou par ton visage de genre je suis énervé ou au contraire machin, il faut qu'on le ressente par des petits mouvements de sourcils, des petits coins de lèvres qui se... Pour moi, là, y a rien. Pour moi, il est blasé. Ouais, il joue le blasé, mais depuis Die Hard 5, quoi. Enfin, non, mais le... Bah, ne pas. Je vous ferai une série sur Die Hard un jour, hein, mais Die Hard 5 n'existe pas. mais il a plus envie de jouer. Il a plus envie de jouer. Peut-être. Il a envie de palper du fric et de se tourner les pouces le reste du temps, quoi. Enfin, de faire ce qu'il veut, hein. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, je m'en fous. C'est peut-être la direction d'acteur aussi, on n'en sait rien. Hein. Non. Il y a suffisamment de films là pour savoir que c'est plus. C'est pas une guise. Non, mais là, c'est. Enfin, ça devient fatigant, vraiment. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on peut résumer. C'est inutile, pas GG. Vide. Inutile, vide. Mal exploité. Ouais. C'est surtout ça, c'est que l'idée en soi est superbe. Tous les personnages qui auraient pu être exploités de Kevin, tout ça, enfin, vraiment idée géniale. Il fait semblant, on l'a pas dit, d'essayer d'exploiter, puisqu'il a senti que dans Split on lui reprochait d'en exploiter que 9 des personnalités. Il fait semblant d'en exploiter 19, je les ai comptés au générique, donc déjà il en manque encore 3 ou 4, enfin 3, puisque la bête, voilà, il en manque encore 3. Donc il y a 4, mais quand même, oui, 23. Donc oui, il en manque encore 4. Qu'il commence le générique en disant Kevin, et après il met les personnages. Mais même. J'en ai compté 19 dans tous les cas, tu vois ce que j'ai dit. Donc même si ça fait 20, il en manque au moins 2 ou 3. Enfin, il en manque. Et en plus, c'est pas exploité. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on les confond. Avoir un prénom différent. Ouais. Donc voilà. C'est pas exploité. C'est pas exploité. Comme d'hab avec Shyamalan. De toute façon, il a des très bons concepts, mais depuis quelques années, il a vraiment du mal à les exploiter. The Visit, c'est pareil. Hein. Très bon concept. Le film est chiant. Il y a le début et la fin qui sont bien. Enfin, c'est pareil. C'est comme dans Glace. Le début est bien. La fin pourrait être bien s'il n'y avait pas autant d'incohérences, de machin, etc. Et surtout s'il n'y avait pas. Twist. Ouais. Et surtout s'il n'y avait pas une deuxième partie aussi vide. Il se passe rien. Ouais, il se passe rien. Parce que Elijah, au début, il agit pas. Ouais. Il agit qu'à la moitié de la partie de l'hôpital qui dure plus de 40 minutes, qui doit pratiquement durer 1 heure. C'est là que ça commence à. Avancer quoi. C'est ça, et c'est là où ça engendre la troisième. Oui. Mais tout le début, il n'y a rien. Y a rien. Enfin, tout le début du milieu, il n'y a rien quoi. Enfin, c'est vide. Ouais. Et puis au niveau réel, moi j'insiste là-dessus parce que j'étais énervé pendant tout le film. Il y a tellement de tics, il faudrait que je le revoie pour vous donner des exemples précis. Enfin, à part celui de mettre une image, enfin mettre une scène et la remontrer 1 minute après pour rien. Parce qu'on s'en rappelle vu que c'était il y a 1 minute. Mais il y a plein de tics de réal, de tics d'écriture de M. Night qui sont mais pourris. Mais complètement pourris du cul, quoi.
ça fouette. Et il y a des idées lumineuses en plein milieu d'un seul coup. C'est t'as ça. Un plan qui va être magnifique, t'as une réplique qui va être sortie magnifiquement, et tout le reste c'est de la bouillie. Ouais. Pas de la bouillie, c'est du il fallait combler. C'est ça, c'est du mur, du lion, enfin c'est ça. Y a... Ouais, c'est ça, c'est de la crème, du lion. C'est ça. Et encore, il y a rien à se mettre sous la dent. C'est pas intéressant. C'est du filler d'animé. C'est exactement ça. C'est du filler d'animé. On te développe les personnages dans les films précédents et au début du film, à la limite, mais si tu le prends comme film tout seul, au début du film. Et ensuite, comme on sait que t'as l'habitude des personnages, on fait rien avec. On ne fait une pauvre... Mais il n'y a même pas d'événement, comme dans les animés, les fillers d'animés, où c'est Goku qui va apprendre à conduire, ou Naruto qui va cueillir des champignons, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est de ce niveau-là. C'est la psy qui va papoter avec ses trois malades. Ouais, mais ça reste dans le propos, où elle veut les faire switcher. Ouais, mais sauf que c'est... Enfin, il n'y a pas d'évolution. Et puis, il n'y a pas d'évolution. Tu sens pas que ça... Tu sens pas une évolution chez Bruce Willis, ça apparaît d'un seul coup et puis il y recroît de nouveau d'un seul coup aussi dès que l'autre lui fait l'arme. Mais chez Bruce Willis, ça marche. Oui, mais ça marche d'un seul coup, tu vois ce que je veux dire ? Sur lui. Oui, et puis de façon bizarre, et puis il en ressort tout aussi vite, tu vois ce que je veux dire ? C'est limite si ça marche juste pour elle qu'elle puisse... Mais voilà. Faire sa phrase. Mais c'est ça. C'est en fait, ça marche sur Bruce Willis uniquement pour qu'il y ait cette tension de est-ce qu'ils vont aller à la tour ? Et pour qu'il y ait cette révélation, en fait. Enfin, c'est ça. C'est construit de la fin du film vers le début, j'ai l'impression. Ok, je veux en arriver. Alors. Ah, je vais faire cette fin. Voilà. Donc, je vais faire ça. C'est ça. Ouais, c'est avec les moyens que j'ai, du coup, je vais le faire dans un hôpital psy. C'est et que c'est... Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on s'est bien énervé sur la fin, surtout moi. Je pense que vous avez compris que je suis vraiment fan d'Incassable et toi aussi. Ouais. Et qu'on a tous les deux été déçus, même si on n'a j'ai pas le même. J'ai vraiment aimé Incassable. C'était pas mal Split. Et là, ça a été une déception. Voilà. Alors que moi, j'ai vraiment aimé Incassable. Split. Voilà quoi. Et Glass, ça m'a énervé en fait. Tu m'as vu, je boxais le siège. Ouais, ouais. J'étais constamment. Il n'y avait personne quasiment dans le cinéma, donc je me suis lâché un peu. Je me tournais vers Dallon, je faisais. Mais là, ça, tu vois. Et il me regardait, genre. Ouais, je sais, ouais, je compatis, tu vois. Je comprends. C'est triste. Franchement, en plus, j'ai pas envie de cracher. Ça, je tiens à le préciser, j'ai pas envie de cracher sur M. Night parce que je pense vraiment que c'est un auteur au sens propre du terme, tu vois. Je pense juste que. Ah, moi, j'arriverai pas à cracher sur lui. J'aime sa réalisation. Enfin, j'aime. T'aimes sa patte, toi. Ouais, et tu trouves qu'elle malgré tout, on la sent quand même. Ouais, on la sent quand même. On sait que tu vois un film. Moi, je vois ce film. Tu sais, là, tu dis, ah, ça ressemble à. Oui, tu vois, mais en fait, mon problème. Tu sais que ça va être lui, quoi. Je sens mon problème, c'est que moi, je trouve qu'on ressent que les côtés négatifs de sa patte. C'est-à-dire la mauvaise écriture et deux, trois plans beaux, tu vois. Non, il garde son ambiance quand même. Oui, mais. Il garde son ambiance. Ouais, mais moi, c'est pas, c'est pas ce que je préfère chez lui, justement. Moi, c'est pour ça. Ah, mais non, mais c'est pour ça que je sais. On sait que c'est du night, mais. Et il arrivera quand même à te surprendre sur quelques scènes, sur quelques, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, sur quelques plans, sur quelques dialogues, sur quelques trucs. Je l'excuse parce que je l'aime. Ouais, mais alors moi je suis pas pareil parce que justement moi c'est. J'aime. En fait, j'ai pas d'attachement particulier pour M. Night. Je trouve juste qu'Incassable est un film excellent. Que Sixième Sens c'était pas mal, mais pour moi c'est pas. J'adorais. Enfin voilà, moi c'est. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Sixième Sens, mais pour moi c'est pas du niveau d'Incassable. Incassable pour moi c'est vraiment. J'ai même réussi à kiffer Signe. Ouais, moi Signe je peux pas. Signe, voilà. Signe je peux pas. Phénomène, j'ai Phénomène, vaguement compris. Mais enfin voilà, c'est. Il passe devant. Ouais, voilà. Et après moi j'ai abandonné, enfin la jeune fille. Le village c'était pas mal. Le village, j'ai pas vu tout ça, machin. Le dernier maître de l'air, j'étais fan de l'animé. Je dois reconnaître que fondamentalement, moi je pense qu'il a fait ce qu'il pue, l'a pu avec. J'ai pas compris qu'on puisse autant cracher dessus. Voilà, enfin, il a fait. Franchement. Il a fait ce qu'il a pu, il pouvait. Ouais, c'est enfin, ça. Et justement, là t'es déçu qu'il en fasse pas d'autres.
Oui, voilà, exactement. C'est Moi, ça qui m'a fait c'est chier, quoi. ça. Ouais, moi, j'ai été déçu, effectivement, qu'il n'y en ait pas de suite. Même si, effectivement, avec le recul, il y a quand même des acteurs qui jouent avec le cul, etc. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de Oui. problème. Mais j'ai l'impression qu'il a fait ce qu'il a pu. Qui, en tout cas, il a essayé. J'ai l'impression que dans Glass, il n'a pas essayé. Je crois que ça va être le mot de la fin. J'ai l'impression que dans Glass, il n'a pas essayé. Ouais, il a pas essayé. Merci de nous avoir suivis. Merci. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et probablement des, c'est mon avis et je le partage, cinéma, c'est-à-dire où ça sera des analyses de films, de trilogies, etc. Ou ce format, les c'est notre avis, on en parle, où ça sera avec quelqu'un qui aura envie de parler du même film que moi. Salut. Ciao! Je te garde encore deux petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées et je te dis à la prochaine. Ciao!